Crédit Courtier, Finance Immo, CAFPI, les entreprises de courtage en prêt immobilier fleurissent en France. En 2006, une société angevine s'est créée, elle s'appelle PrêtPartners. Les courtiers préparent vos dossiers et mettent les banques en concurrence pour trouver le meilleur crédit. Oui, mais alors quelle différence avec les démarches du particulier ? Nous ne négocions pas directement avec un directeur d'agence ou un chargé de clientèle. Lorsque nous négocions directement avec les responsables des services immobiliers. Donc ce sont des personnes qui, dans les banques, ne font que ça, qui ne sont pas des personnes qui sont dans le réseau, qui sont généralement au siège, et qui, elles, ont des conditions de taux, ont des dérogations que le commun des mortels en agence ne pourrait pas forcément obtenir. Donc le fait de négocier directement avec ces personnes-là, de négocier en masse, puisque nous apportons beaucoup de dossiers en banque, nous avons donc des conditions privilégiées. Un client privilégié par un crédit intéressant ? D'accord, mais qu'en est-il de la commission du courtier ? Lorsque on discute avec les clients pour qu'ils puissent comparer une offre par rapport à une autre, nous allons comparer les mensualités, ce qu'ils payent réellement tous les mois. Et on s'aperçoit que même avec nos honoraires rajoutés, la réduction, les économies réalisées sur les mensualités sont telles que c'est pas nos honoraires qui vont limiter cette économie, puisque sur des prêts de 20-25 ans, il n'est pas rare de faire des économies de 7-8 000 euros, voire plus, pour un emprunteur. L'année dernière, une autre agence, PrêtPartners, s'est créée à Bordeaux. Cette année, Cognac et Cholet en ont accueilli une chacune. Dans les prochaines années, le cap sera mis sur le Grand Ouest, puis sur l'ensemble du territoire. Alors si vous cherchez un emploi d'avenir... Il n'y a plus qu'à trouver de futurs franchisés, des personnes qui veulent se lancer dans le courtage. Et pour ça, il faut juste une expérience commerciale réussie, des connaissances dans la banque étant préférables, mais pas essentielles.